Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne LC Man Gaming. Je suis tout seul aujourd'hui et c'est une vidéo que vous attendiez beaucoup pour certains, peu pour d'autres. C'est comment gagner un sprint sur le tour à coup sûr sur le Tour de France 2017. Déjà c'est très simple. Vous allez prendre. Moi je prends Ryan Cocard. Bonjour à tous. On prend les Champs-Élysées, voilà. Déjà, faut avoir un sprinter en sprint qu'il ait plus de 78. Qu'il ait plus que 78 en sprint et plus que 78 en accélération. Ça, c'est le truc de base pour faire un sprint. S'il a moins que 78 ou 78 piles ou deux, voilà, regardez Cocard, sprint 79 et accélération 82. Donc, je sélectionne. Mesdames, messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinteurs... Et vous allez voir, on va aller gagner le sprint. On se retrouve à 6 km de l'arrivée. Donc on se retrouve à 6 km de l'arrivée. Il faut s'arrêter vers... même au sprint intermédiaire. Vous arrêtez toujours à 6 km de l'arrivée. Pour bien vous... replacer. Parce que sinon, vous ne pouvez pas vous replacer. Vous ne pouvez pas aller sprinter. Il faut aller vers l'avant. Mais là, j'y suis pas, forcément. Voilà. Là, je suis bien remonté. Les poissons pilotes vont bientôt s'écarter pour laisser la place à leur sprinteur. Et vous allez démarrer votre sprint à 1 km. 2 ou 3. 2 ou 3. 7, 6, 5, 4, 3. Là je sprint. Avec Brian Cocard. Et je vais aller gagner cette course des Champs-Élysées. Et après vous appuyez à fond dès que vous avez plus de barre. À fond. Et voilà. Comment gagner un sprint sur le Tour de France 2017, à coup sûr. Bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. Donc, je rappelle toutes les étapes. Avoir un joueur qui est plus que 78 au sprint et 78 en accélération. Vous vous arrêtez à 6 km, de quoi remonter sur la course. Et vous démarrez à 1 km 2 ou 3. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous aura plu, mettez un gros like et abonnez-vous à la chaîne. C'était LC Man Gaming. Ciao!